Je vais te faire écouter un direct. Tu vas écouter ce direct-là. Si moi, Nicole, et tcha, j'étais déjà insulté comme ça sur la toile. C'était à manquer le respect. Parce que tu as dit dans ton direct que moi, quand j'ai fait les directs, je suis cru, j'insulte les gens. Je veux que tu écoutes le direct de ta propre fille. Comment ta fille t'insultait au Cameroun. Si moi, Nicole, j'étais à insulter comme ça, Flore, dans Facebook. Je ne sais pas ce que moi je t'ai fait. Je ne sais pas ce que moi tu me prends. Je ne t'ai jamais manqué le respect. Même quand tu dis que non, je suis parti insulter, t'es insulté dans le direct du morgue dans le noir. Mais que le morgue sort ce direct. Tu dis que le morgue m'a fabriqué. Le morgue ne m'a jamais fabriqué. C'est Compressor qui me fabrique. C'est elle qui entre dans mon direct le premier jour pour te soutenir. Elle était encore à l'hôpital. C'est elle qui me fabrique. Ce n'est pas le morgue. Comment le. C'est pas le morgue. Parce que ce n'est pas le morgue. Le morgue ne m'a jamais fabriqué. C'est Maman Pépé qui m'a fabriqué. Vous savez mon quota, partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Appelez-moi Flore au loque. Appelez-la moi. Voilà. Je ne suis pas venue avec les perruques, je suis venue naturellement. Parce que moi, Nico, je m'assume parce que je suis une belle femme. Je m'assume. Excusez-moi. Toi, la fille que tu m'appelles sur mon téléphone, je vais te bloquer. Dès qu'elle fuit, je vais te bloquer très mal. Ne m'appelle plus jamais plus qu'elle soit en direct. Tu comprends? Tu comprends? Arrête de m'appeler bon sang. C'est comment? Ne m'appelle plus qu'elle soit en direct. C'est comment? Tu m'appelles papa quoi? Ne m'appelle plus qu'elle soit en direct. Je vais te bloquer. Après, tu m'appelles plus qu'elle soit en direct. Mais comme elle peut me donner un petit moment de parler avec moi, tu vas m'appeler n'importe comment. Hein? Mais arrête de m'appeler comme ça. Je suis en live, arrête de m'appeler. Attends, d'abord, je fais mon direct. Tu m'appelles. Mais arrête de m'appeler. Peut-être que tu as un peu l'occasion, un peu que tu m'appelles, tu me parles en inbox, tu m'appelles. Oh. Arrêtez de m'appeler, c'est comment? Allô? Oui. Ok, j'ai compris. J'ai compris, merci. Merci beaucoup. Bye bye. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Excusez-moi, c'est les gens qui. C'est mon équipe qui m'appelle. Excusez-moi. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Bipez, ma grande. Bipez, Flore. Et mettez les cœurs, mes gens. Qu'on atteigne le quotard. Je vais te faire écouter le direct. Parce que tu as dit que moi, Nicole, quand j'ai fait les directs, je suis cru. J'ai insulté les gens. Tu vas me sortir et dire où moi, Nicole, était à insulter. Je vais te faire écouter le direct de ta propre fille au Cameroun, comment elle t'insulte. Si moi, un jour, Nicole, moi, j'étais déjà insulté comme ça, non. Tu ne sais pas ce que moi, j'étais fait. Non, moi, je ne sais pas ce que moi, j'étais fait. Je ne t'ai jamais offensé. Je ne t'ai jamais méprisé. Tout le monde, je prends Facebook à témoin. Je ne t'ai jamais dénigré. Depuis que tu fais les sorties sur moi, jamais. Je me suis jamais. Je ne t'ai jamais offensé. Jamais. Jamais mis les oreilles de ma mère. Je ne suis jamais sorti sur toi. Jamais. Mais mentir sur une maman qui vit, ce n'est pas bon. Une grande femme comme toi, ce n'est pas bon. C'est une honte. Vous n'aimez pas qu'on parle de vos mamans. Mais vous venez exposer les mamans des gens. Ce n'est pas bon. J'ai toujours plié mon doigt. Ce n'est pas bien. Partagez le dire, mes chers frères et sœurs. Bonjour à tout le monde, je suis Nicole Kedja. Nicole Bio. Parce que je vais dire aux internautes aujourd'hui, je suis une blogueuse camerounaise de la diaspora, une blogueuse qui est à Boza. Une grande dame qui m'a tendu le nom de Maman Pépé.
qui m'a toujours soutenu quand tu as sorti mes audios. Mais je parle aujourd'hui à mon nom. Je ne veux plus qu'on associe mon nom à elle. Et c'est elle qui m'a envoyé parce qu'elle ne m'a jamais envoyé. Je parle de vous, je parle de moi, je parle à mon nom. Parce que c'est Nicole Ketia. J'assume ce que je fais. Je suis blogueuse. Je ne veux plus qu'on m'associe ni à la TKC, ni à Maman PP. Parce que c'est Maman a tout dit. Elle ne viendrait plus jamais venir répondre. Elle ne viendrait plus jamais venir répondre pour moi. Parce que je suis grande et je suis majeure. Je suis d'assumer. Allô? Descends, c'est ça le problème, non? C'est ça, c'est ça pourquoi les étoiles ne passent pas. Parce que je vois les étoiles ici en bas. Je vois les étoiles ici en bas. On me dit cadre inférieur. Moi, je vois les étoiles ici en bas. Pourquoi les étoiles ne passent pas? Pourquoi? Oui, c'est ça. Moi, je ne sais pas pourquoi les étoiles ne passent pas, ma chérie, ma mère. Je ne sais pas pourquoi les étoiles ne passent pas, ma mère. Je ne sais pas pourquoi les étoiles ne passent pas. Tu vois? Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Tu vois? Alors, on va faire avec comme ça. Hein. On va te dire, le gars va encore travailler dessus sur la page, c'est après mon live. Donc, tout à l'heure, non. Il faut seulement que les gens bombardent les cœurs. Parce que moi, je ne suis pas là pour insulter quelqu'un. Je vais parler à une blogueuse camerounaise. Parce que nous tous sommes les Camerounais. On va rentrer dans le même pays. Je vais parler à une blogueuse camerounaise. Je vais prendre Facebook à témoin. Tu ne veux pas venir ce matin. Parce que maintenant, je mène mon combat seul. C'est un combat qui va m'être long. Parce que, Flore, tu veux tenir mon image. Tu veux détruire mon blog. Et je ne te permettrai pas de le faire. Je ne permettrai pas que tu tenis mon blog. Que tu tenis mon image. Je suis l'enfant de quelqu'un. Vous gardez vos enfants dans la maison pour venir détruire les enfants des gens sur la toile. Je ne te permettrai pas. Je ne veux pas qu'on m'associe à Maman Pépé, au Diamant Bleu. Maman a tout dit dans mon combat avec Flore. C'est une place. Parce que je ne sais pas ce que moi je t'ai fait. Tu es une personne que j'ai rencontrée, que j'ai soutenue sur la toile, qui était acculée par tout le monde. On a voulu détruire sur la toile. J'ai mis ma caméra, j'étais soutenue comme on soutient une soeur camerounaise. J'étais soutenue sans entendre rien de personne. Je suis allée à ton événement, j'ai laissé mon enfant que tu as parlé hier dans ton direct. J'ai laissé mon enfant, ma fille, que tu as parlé. Je n'ai jamais mentionné tes enfants dans mes lives, jamais. Parce que je connais ma posture, mais tu as osé parler d'un enfant de 4 ans qui n'a rien à voir. Que je suis incapable d'aller m'occuper de ma fille. Tu as parlé de mon enfant. J'ai laissé cet enfant là pour aller te soutenir dans ton événement à Paris. Parce que tu as soutenu une soeur camerounaise. Je ne savais pas qu'elle partait te soutenir comme ça. Je ne soutenais pas, j'entrais dans la gueule du loup. Et quand je suis rentrée, c'est là que tu as commencé à venir me vendre sur Facebook. À venir exposer les audios. Quand tu veux, tu vas exposer les audios de ma mère, ce n'est pas aujourd'hui, Flore. Tu peux le faire. Je suis venue appuyer que tu viens exposer les audios de ma mère. Quand tu vas exposer les audios de ma mère, Maman Pépé est sortie pour te recadrer. Et après, tu dis que tu as donné 100 000, que ma mère te harcelait. Tu as donné 100 000 francs à ma mère. Parce que tu as vu le diamant bleu. Elle est au Cameroun, elle a offert un cadeau à ma maman. Tu as aussi montré sur Internet que tu as donné 100 000. Ce n'est pas la première fois que le diamant bleu offre le cadeau à ma mère. Ce n'est pas la première fois qu'elle offre le cadeau à ma mère. Tu veux faire croire sur Internet que tu as donné 100 000 francs à ma mère. Je viens aujourd'hui mettre Facebook à témoin. Parce que moi, je n'ai jamais manqué le respect. Le dire que tu vas écouter de ta propre fille qui t'insulte. Je vais mettre Facebook à toi. Je ne peux jamais manquer le respect. Jamais. Même parler mal de toi. Jamais. Même quand tu me réprimandes en plein là, je fais même ma bouche. C'est pas que j'ai peur, c'est parce que c'est pas respect. Parce que j'ai reçu l'éducation de ma feu cramée. Qu'il faut apprendre à respecter les gens, surtout quand quelqu'un t'a tendu la main. Non. Depuis que je suis rentrée, tu me réprimandes, tu m'insultes, tu me dénigres. Je vais être tranquille, je ne dis rien. C'est parce que j'ai peur, parce que je respecte les aînés. Tu dis que tu as donné 100 000 francs à ma mère. Parce que les gens, quand quelqu'un donne l'argent à ma mère m'appelle et me dit. Je l'ai appelée, elle m'a dit, tu n'as jamais donné 100 000. Comment une grande dame comme toi peut mentir? Tu n'as jamais donné 100 000. Si je mens, mets Orange Money, ou West Union, ou RIA, tout ce que tu peux dire, mets ça sur Facebook. Comment tu peux venir mentir sur une maman qui vit encore? Qui vit encore? Est-ce que toi, tu peux accepter qu'on mente sur ta propre mère? Tu ne peux pas accepter. Quand tu parles des audios qui est sorti sur la toile,
C'est normal qu'une fille et sa mère peuvent avoir les petits bics. Mais c'est que au Cameroun, t'as insulté, que les gens vont écouter comment t'as insulté. Mais tu l'as pardonné, non? Pourquoi c'est pour moi que tu es venu me tuer? Pourquoi pour moi tu es venu m'exposer pour qu'on me tue sur la toile? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'ai pas à comprendre ce que moi je t'ai fait. Les gens ont vu comment cette fille t'a insulté, t'a dénigré sur la toile. Mais tu l'as pardonné. Aujourd'hui, tu es avec elle. Tu l'appelles ta fille chou. Malgré même qu'elle insulte le diamant bleu depuis 8 mois, qu'elle insulte le diamant bleu depuis 8 mois, tu es incapable de la réprimander. Mais tu l'as encouragé de décréter les lives. Est-ce que moi, Nicole, t'ai manqué le respect, je lui fais, ne t'ai jamais manqué le respect. Malgré tout ce que tu fais, t'ai jamais manqué le respect. Nous allons écouter comment cette fille t'insulte. Mais tu l'as embrassée aujourd'hui. Est-ce que moi, j'ai déjà fait? Est-ce que moi, t'ai manqué le respect un jour? Je t'ai jamais manqué le respect un jour. Pourquoi tu le fais? Tu m'as dit que non, j'ai pleuré. Mais c'est normal sur Facebook. Quand tu rencontres les mamans sur la toile, il peut y avoir des déceptions. C'est pas que j'ai pleuré, j'ai pleuré parce que j'ai un enfant de 4 ans. Aller parler de moi dans les directs à 2 heures du matin, je suis une bantou. On ne connaît pas, on ne connaît qui est dans le direct à 2 heures. Parce que c'était pas la première fois que la dame là part dans les directs à 2 heures parler de moi. C'était normal que je sorte pour expliquer mon ras-le-bol. Même toi-même, tu as pleuré en plein live pour ton argent. Tu as pleuré en plein là parce que tu as donné l'argent à petit pays, n'est pas venu. Tout le monde peut avoir un esprit de faiblesse. Quand tu vas prendre ça aujourd'hui pour te moquer de moi, ce n'est pas normal. Je ne sais pas ce que je te dois. Tu dis que non, je suis beau, ça, il va aller me former dans les champs. Que l'Italie, mais l'Italie, c'est l'héros. Tu dis dans ton direct que non, qu'il y a une dame aux États-Unis qui m'avait appelé pour me donner l'argent. Mais est-ce que je vais être obligé de prendre l'argent de tout le monde? Est-ce que je suis obligé de prendre l'argent de tout le monde? Non. Je suis pas obligé de prendre l'argent de tout le monde. Ça fait un problème. Et tu dis encore, tu dis dans ton direct que ce chose qui est curieux, c'est que tu dis que moi, je suis manipulatrice. Mais tu appelles Crotty Crota, ta belle c'est chou, parce qu'elle insulte au compresseur. Entre nous, qui est manipulatrice? Tu veux réunir Esola avec Kento parce qu'ils sont en désaccord. Il faut qu'ils s'associent pour insulter le diamant bleu. Qui est manipulatrice? Nous avons toutes vu ici sur la toile. Quand ta fille au Cameroun insultait le diamant bleu, tu étais en contact avec elle. Tu as invité, laisse le maman pépé chez toi. Mais le maman pépé n'était pas au courant. Mais elle est venue te couvrir. Mais qui est manipulatrice? C'est ça qui vient de dire. Il faut que tu mets les audios de la troisième personne. Quand je causais avec maman pépé. Tu as dit que quand j'appelais maman pépé, maman pépé et moi, on parlait de toi. Il y avait une troisième personne qui a enregistré. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que j'étais fait, bon sang? Je n'avais pas à comprendre ce que moi j'étais fait. Je n'avais pas à comprendre qu'est-ce que j'étais fait. Je t'ai jamais manqué le respect. Rien. Rien. Est-ce que tu as appelé un jour pour te dire que j'ai faim? Jamais. Tu n'as jamais appelé un jour pour te dire que j'ai faim? Jamais. Tu n'as jamais appelé pour te dire que j'ai faim? Jamais. Est-ce que tu as manqué le respect un jour? Pourquoi tu veux dénigrer? Pourquoi tu veux détruire mon blog? Une pauvre fille comme ça. Regarde-toi, une grande star. Tu descends à mon niveau. Jusqu'à tu dis que tu vas déposer les audios de ma mère, tu vas finir avec moi. N'importe qui va prendre sa route. Est-ce que toi et moi, on était amis un jour? On n'était pas amis. On est blogueuse de la toile. Regarde comment tu peux descendre à mon niveau. Tu veux ternir mon image. J'ai quelle image? Tu veux dire que tu vas finir avec moi. Tu veux finir avec quoi? Je gagne quoi? Et il y a quoi dans le fait que je vais gagner? Quand tu me dis que non, il faut que j'aille travailler, je dois aller prendre mon enfant pour aller à la. C'est fait, c'est quoi? Je ne comprends pas. Je n'avais pas à comprendre ça jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes les haineux. Tes abeilles sont les haineux. Je me suis séparée avec vous. Je suis pris mon côté. Est-ce que c'est obligé que je dois aller, que je suis obligé de faire la part avec Pipi? Je ne suis pas obligé de faire la part avec Pipi. Je ne suis pas obligé. Vous ne commandez personne sur la toile. C'est ma connexion. C'est moi, c'est mon téléphone. J'avais décidé de me faire les directs, parler de mon beau-là. Mais les circonstances de la vie sont arrivées, mais j'ai décidé de te soutenir. Quand tu étais harcelé par ces gens avec qui tu es aujourd'hui, aujourd'hui c'est mon merci que tu m'as fini avec ma vie. Tu as pensé à mon nom, tu as pensé à ma famille. Je ne vends pas le piment en Europe. Je n'accroche pas ma main. Ma vie c'est mollo mollo. Je ne cours pas après la gloire. Tu dis que non, mon mari est parti. Tu dis que mon mari est parti. Tu dis que mon mari est parti, que je vis à l'église. Si je vis à l'église, c'est un péché. Ce n'est pas un péché, c'est une gloire, c'est une grâce. La vie, c'est un éternel recommencement. Flore, quand toi tu es arrivé en Europe, est-ce que tu as eu la maison le même jour? Toi-même, tu as souffert pour être où tu es là aujourd'hui, non?
Peut-être moi, c'est mon cas. Peut-être quand je suis arrivée en Europe, j'ai tellement croisé le père de Marie, j'ai accouché mon enfant. Mais aujourd'hui, est-ce que je vais m'en fondre pour ça? Pourquoi tu viens me parler de ça alors? Est-ce que c'est normal? En tant qu'une grande blogueuse comme toi, tu as vu coach à mon chic ou Sonia répondre à ou Emmanuel qui est en répondre à les petits Niamania, ma blogueur? Non! Tu ne sais pas. Ce qu'elle m'a été demandé ce matin. Parce que moi, je n'ai jamais insulté, jamais partagé le direct. On va écouter. On va un peu écouter. On va écouter un peu ta fille. Comment ta fille t'a insulté. Je vais me poser la question. Est-ce que moi, j'ai été insulté comme ça? Ben, tu dis que moi, je suis cru. Pourquoi maman Pépé n'est pas. Dis-moi, je suis cru. Tu dis que moi, je suis cru quand il fait des directs. Tu as regardé ma page depuis. Tu es dans ma page. Tu regardes ma page. Non, on se, tout le monde se regarde. Hein. Tu vérifies ma page. Est-ce que depuis, je fais encore les lives depuis? Je ne fais pas les lives. Sors-moi un live quand tu me dis que moi, je suis cru dedans. Je suis cru comment? Ta fille qui est dans le noir là, je te sors les caricatures des gens qu'elle expose sur ses pages. Je te sors les caricatures des femmes. Comment elle a exposé ta yamseur d'aujourd'hui? Comment elle a exposé le cartement de ta yamseur d'où il y avait les urines au milieu? Elle mettait ça sur sa page, elle coupait les vidéos. Hmm? Et tu me traites de manipulatrice, tu me traites de fausse, tu me traites de haineuse. J'ai fait quoi pour mériter tout ce que tu me fais aujourd'hui? Je ne comprends pas ce que j'ai fait quoi que tu me traites de ce que tu me traites aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. J'ai vu ma petite life. Tu es en train de me conseiller que non, va travailler. Et ma mère, on t'a dit que ma mère a manqué quelque chose. Si les gens me donnaient le cadeau à ma mère, est-ce que je vais refuser? Je donne le peu que je peux donner à ma maman. Je donne le peu que moi, Nicole, je peux donner à ma maman. Je n'ai pas grand chose. Je ne vends pas le rêve aux gens. Parce que moi, je ne vends pas le dongo en euros. Je me suffis moi. La BC, viens, tu veux ça? C'est papa, ça m'appartient. Je m'assume. Je n'ai jamais dit que j'étais une fille riche. Il était toujours dit que je suis pauvre, je suis fier, la pauvreté n'est pas un péché. Hein? Même si je dors à l'église, est-ce que je dors en route? Qui a même dormi chez les gens en Europe? Je sors les directs où toi-même tu conseilles les gens qui dorment en Europe, chez les gens en Europe. Pourquoi aujourd'hui pour moi tu viens me dénigrer? Tu ne peux pas me dénigrer, maman. On va écouter ta fille, hein, parce que les gens vont écouter, parce qu'il y a des nouveaux gens qui arrivent. Je mets Facebook à témoin, les gens, tout le monde, nous allons écouter le remember de ta propre fille, comment elle te parlait. Parce que ce n'est pas moi qui parle, hein, c'est ta fille. Mettez les cœurs. C'est ça qui se passe. Tu dis que moi, je suis cru. Je vais savoir si moi, Nicole, un jour, j'ai mis ma caméra, te parler comme ta propre fille au Cameroun avec qui tu es. Quand tu dis que maman Pépé, j'ai envoyé les autres à maman Pépé, et maman, tu commences à me dénigrer. Ou que ta fille, qui t'a dénigré, heureusement que moi-même, parce que je suis. J'ai été bien élevé. J'envoie les audios à maman, papé. En inbox. Parce que c'est ma mère. Je n'ai jamais venu sur Facebook. Je ne suis pas venu sur Facebook de pour ma caméra pour la répondre. Il envoie les audios pour parler à elle. Je n'ai pas mis la caméra pour l'insulter ou pour la dénigrer. Par contre, ta fille, avec qui tu es aujourd'hui, que tu embrasses, avait mis la caméra pour t'insulter, pour te dire tes vérités en mondo vision. Mais tu es avec elle aujourd'hui, non? Pourquoi toi aujourd'hui tu veux m'exposer sur Facebook par rapport à mes audios? Tu ne comprends pas la haine que tu as envers moi. Je ne te dois rien, maman. Je ne te dois rien, je ne comprends pas. Je prends Facebook à témoin parce que tout le monde voit sur les réseaux sociaux. Les gens voient. Je prends Facebook à témoin. Je ne comprends pas ce que j'étais fait, maman. Je ne comprends pas. Okay. Parce que c'est ce que j'ai balancé. C'est que j'ai balancé les têtes de mort. Et c'est toujours vous qui dites que ce n'est pas le buzz, non? Je viens faire comme c'est vous. Vous avez dit que ce n'est pas le buzz. Mais je fais. On entre dans le game que vous voulez qu'on nous entende, non? On écoute. Partagez le direct. Peur de personne. Écoute, ici, on... c'est la page des Lionceaux. La jeune. C'est pas moi qui parle. C'est ta propre fille. Parce que mon combat avec toi, ce serait rude. Ce serait long. Et c'est... il va sortir toutes les vidéos de ta fille qui parlaient de toi. Parce que j'ai dit depuis, je suis une personne que je ne connais pas faire le mal à quelqu'un qui m'a tendu la main. Qu'est-ce que tu dis que je ne connais pas fait ça? Moi, quand j'ai dit qu'elle avait sorti tes remèmes, c'était juste pour blaguer. Mais j'ai compris avec toi que si je baisse la garde, tu es fini avec moi. Tu ne comprends pas. Entre toi et moi, qui a fait le sale dans Facebook? C'est toi qui as fait le sale. Tu as détruit les familles des gens. Tu as humilié les gens sur la toile. Les vidéos sont là sur YouTube. Mais moi, j'ai dit que moi, j'animais juste la galerie. Mais j'ai compris. Hier, ton direct hier m'a scandalisé. J'ai eu froid au dos. Je me suis posé la question, qu'est-ce que j'étais fait? Quand tu parles, tu mens sur ma mère. Tu dis que tu vas sortir des audios pour finir avec moi, après on ne sait pas. Est-ce que toi et moi, on était amis? Jamais. On n'est pas amis.
Je vais discuter quoi avec toi? Quoi? Tu parles des audios. Que les partages ont monté. Pourquoi ne partage pas mes directs? Que je suis cru. Quand il fait des directs, je suis cru. Est-ce qu'il a exposé quelqu'un sur la toile? Comme ta fille qui est dans le noir, qui expose le carte, qui expose le cartement d'une femme qui a pissé sur sa page. Parce que vous avez fait la paix. Vous voulez retourner tout ça sur moi. Que je suis une personne qui est haineuse, une personne qui est mauvaise, une personne qui est méchante. Je ne t'ai rien fait. Ça me fait même mal de faire ça, mais je suis obligée de le faire. Mais ça m'a retiré ma réputation qui a... Je suis venue appuyer, il faut que tu sors les audios de la troisième personne. Qui était... C'est les deux choses qui m'étaient en sortie sur Facebook. Les audios de ma mère, tu as sorti les audios de ma mère depuis. Et maman Pépé est sortie, tu te regarderais. Voici les deux choses qui me fait sortir sur Facebook. Que tu as menti sur ma mère, que tu as donné 100 000 francs. Tu n'as jamais donné 100 000 à ma mère. Je mets Facebook à témoin, je te mets au défi. Sors Orange Money, au mon écran. Tu mets. Et tu mets l'enregistrement de la troisième personne avec qui j'appelais. Quand je posais maman Pépé, il y avait la troisième personne qui m'enregistrait. Et quand tu dis dans ton direct que j'ai dit que tu as envoyé les audios de ma mère à ta yamse. C'est vrai. Parce que j'avais dit à la dame avec qui j'étais hier. La dame est partie écouter dans le direct de Kento. Pipi avait dit ça dans son dans le direct de Kento. Donc, on va écouter. Dans le direct de ta fille, comment ta fille toi-même te parlait. Ce n'est pas moi qui parle, c'est ta propre fille qui parle. Mais quand tu dis que je suis cru. Mais quand tu veux m'exposer sur Facebook, c'est comme si moi j'étais insulté un jour. Mais ta fille t'avait insulté, tu avais ta fille aujourd'hui. Vous êtes ensemble, non? Tu l'appelles ta fille chou. Tu l'invites même à manger. Pourquoi aujourd'hui mes audios, tu veux interdire ma pépé? Tu veux interdire que ma pépé ou la TKC, tu veux... Pourquoi tu me vends la pépé? Moi, j'étais jamais fait du mal. Écoutons. Peur de personne. Ici, c'est la page des Lionceaux, la jungle des Lionceaux et des sympathisants. Ici, c'est la vérité. Ici, on parle sans avoir peur. On s'exprime. Parce qu'ici, elle parlait de ma mère. Elle parlait de l'histoire de ma mère. Parce que tu es encore revenu sur l'histoire de ma mère hier. C'est pour ça que je suis allé chercher la vidéo aussi. Pour que tu écoutes comment ta propre fille te recadrait par rapport aux mamans des gens. Tu vas me dire si un jour, moi, j'étais à parler comme ça. Écoutons. C'est la vérité. Ici, il n'y a pas de perdition. Ici, il n'y a pas de récupération. Ici, ce n'est pas le Alléluia. Amen. C'est-à-dire que je peux parler, ça ne vous plaît pas, tu lances l'appel, je te prends, et puis tu me dis ton contraire. On ne va pas te croquer ici. Nous, on adore ça ici. On s'exprime ici, normalement. Et il n'y a pas le wow. Ne parlez pas parce que wow, wow, wow. On n'est pas dedans ici. On n'est pas dedans ici. Si tu as quelque chose à dire à la lionne, attendez. Si tu as quelque chose à dire à la lionne, tu lances l'appel et puis tu me parles. Face to face. Moi, vous êtes où dit qu'elle met le défi qu'elle. Quand vous priez, souvent vous lancez les directs pour m'insulter. Quand elle lance ce qu'elle dit souvent devant vous là, exprimez-vous de la même manière que vous êtes en train de parler. Quand vous voyez quelqu'un crier sur moi, c'est parce que je veux. Il n'y a personne qui peut crier sur moi plus que moi. Personne. Alors, on va parler ce soir. On va parler du sujet qui mène la toile. On va parler de ce qui s'est passé. On va parler, on va revenir en Afrique. Parce que je vois que vous vous perdez un peu trop. Ça part dans tous les sens. Il y a un peu de perdition dans ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux. Et on va parler fort. Mais Jean, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas bête, c'est ce que je suis en effet. Ne pensez pas, je ne prends personne par les pincettes. Je sais ce que je fais. La guerre avec elle, c'est la guerre longue. Je ne veux pas venir insulter. Non, je parle dans les insultes du quartier. Je mets les audios de sa fille. C'est les audios de sa fille qui va la frapper. C'est pas moi. Je n'insulte pas les gens. Écoutez. Parce qu'on parle doucement, vous n'écoutez pas. C'est quand on coule fort, quand on dose sur vos têtes, quand vous comprenez ce qu'on vous dit. D'accord. C'est quand on parle fort. Que vous compreniez ce qu'on vous dit. Alors installez-vous confortablement, mes gens.
partagez le direct dans tous les groupes. Nous sommes déjà presque 80. Essayez de partager dans deux ou trois groupes et puis on va s'exprimer. On ne mange pas quelqu'un ici. On ne va que dire la vérité et rien que la vérité. C'est ce qui va se passer. Alors, on va d'abord commencer par expliquer ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, c'est que Fleur de Lys est sortie. Elle a lancé en direct, elle est sortie. Elle s'est exprimée, elle a dit qu'elle veut parler de la mère de Nicole. Elle parle de la mère de Nicole, elle dit que la mère de Nicole l'appelle, la scène, l'envoie les voice pour lui demander de l'argent. Pour lui demander les numéros des gens aussi. Et qu'elle n'est pas la seule à l'avoir appelé ou à l'avoir envoyé les voice. Ça, c'est le sujet, ça, c'est la base du sujet. C'est-à-dire que c'est Fleur de Lys qui lance le direct pour parler de la mère de Nicole. Est-ce que Nicole était d'accord que Fleur de Lys parle de son histoire? Okay. Elle n'était pas au courant et elle n'était pas d'accord. Je précise d'abord les bases. Elle n'était pas au courant et elle n'était pas d'accord. Est-ce que Fleur de Lys peut sortir parler de la maman de Nicole sans parler, sans demander à sa copine compresseur? Okay. Je ne pense pas. Et si il arrive que Fleur de Lys est sortie parler de la maman de Nicole et que compresseur est au courant que Fleur de Lys devait sortir et parler de la maman de Nicole, n'est-ce pas une complicité pour rabattre cette fille? Ce n'est pas une stratégie pour la redescendre, puisque nous tous nous savons que sur les réseaux sociaux, eux-mêmes ils ont soulevé Nicole. Nicole était à près de 800 vues. Elle était déjà à près de 800 vues, mais elle n'était pas blogueuse. Je ne viens encore vous dire que Nicole n'était pas encore blogueuse parce qu'elle était encore sur l'emprise. Sur la chaîne, elle était encerclée par Fleur de Lys, le compresseur. Et les fans de Fleur de Lys et les fans de compresseur. Je respire un peu. Je ne veux pas crier sur vous. Pourquoi est-ce que quand Fleur de Lys a décidé de sortir, parler de la maman de Nicole, compresseur que tous les jours, elle dit que Nicole est sa sœur. Compresseur que tous les jours, elle dit que Nicole est sa fille. Elle dit souvent quoi? La 11 de Facebook. Comment est-ce que tu as pu accepter, compresseur, qu'on sorte, on vilipende la mère de ton 11? Est-ce que ça se fait? Est-ce que toi, compresseur, ta mère elle est parfaite? Est-ce que toi, Fleur de Lys, ta maman elle est parfaite? Vos mamans sont parfaites? Je commence par vous deux. Est-ce que la maman de Nicole est la seule qui demande l'argent aux gens? Hein? Montrez-nous d'abord la vie de vos mamans. Montrez-nous si vos mamans sont parfaites. Vous êtes souvent là sur les réseaux sociaux comme ça qu'il y a d'autres parmi les gens ici qui. J'ai même vu les abonnés, les faux profils insultant la maman de Nicole. Vous êtes là, ça ne va pas. Vos mamans sont dans les quartiers, elles ont même bloqué la vie des jeunes filles fatiguées. Bloquer la vie des jeunes filles fatiguées. Nicole, faut être belle comme ça tous les matins. Ici, c'est pas moi qui parle. Hein. Ici, là, c'est pas moi qui parle. On va continuer à écouter. Ah. D'autres de vos mamans ont des ventres. Écoutez. Et donc, le vampirisme. Vous le savez. Elles ont déjà mangé votre famille. Vous n'avez pas dénoncé. On n'a pas parlé à haute voix. C'est la mère de Nicole qui était bonne à venir salir. Je ne défends pas la mère de Nicole parce qu'elle supporte Nicole. Elle d'abord, elle c'est une china. Elle n'est rien. Elle est zéro tout rond. Je vous ai dit que tous ceux qui disent que oh, la lionne est jalouse de Nicole. Nicole n'est rien devant moi. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Partagez le live. Il faut partager ce direct. Partagez, c'est important. Partagez. Nicole, c'est pas une blogueuse. C'est une suiveuse. C'est une china. Elle en sait clair. Elle est perdue. Vous prenez moi là, je me mesure à Nicole. Mon niveau, c'est pas Nicole. Je vous ai dit ça même deux fois qu'elle est black. Quelquefois qu'elle dit qu'elle n'entend pas les directs, c'est parce que je veux. Fleur de Lys, est-ce que toi tu pouvais accepter qu'on parle de ta mère comme ça? Voilà. Tu comprends? Voilà ta fille qui parle. Hein? Voilà ta fille qui parle. Ta fille te répond. Fleur, est-ce que tu pouvais accepter qu'on parle de ta mère comme ça? Mais ça ne t'a pas empêché de venir parler de ma mère. Ça ne t'a pas empêché de venir me descendre sur Facebook. Est-ce que tu étais à manquer le respect comme ça sur les réseaux sociaux?
Sors-moi une vidéo où moi était à manquer le respect. Sors-moi une vidéo où moi, Nicole, était à manquer le respect comme ça sur Facebook. Tous les jours, tu viens t'asseoir sur Nicole. Parce que tu veux. Écoutons, sa fille chérie. Il n'y a pas ma faute aujourd'hui. Quand tu fais, comment on doit te dire? Toi, tu pouvais accepter qu'on parle de ta mère comme ça? Quand on parle de ta mère, si tu deviens folle. Moi, quand on parle de ma mère, je deviens folle. Tout le monde protège sa maman. Chez vous, les bantous, la maman a toujours raison. Tu nous as d'abord, sorti dernièrement. Tu nous as montré ici qu'il faut clasher les veuves. Tu es sorti dernièrement, tu nous as montré qu'il faut clasher les orphelins. Qu'il faut clasher les morts. Quand on a dit ya, 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 tu es revenu. Tu sors encore. Écoutez, mettez les têtes de mort sur les commentaires. Parce qu'ici, il n'y a pas de... Mettez les têtes de mort sur les commentaires. Mettez les têtes de mort parce que je suis en train de voir les commentaires. Vous mettez les têtes de mort. Appréciez ce que je vais vous faire. C'est vous qui avez voulu ça avec moi. Appréciez. On va faire ça sur Meta. C'est pas moi, hein. Je vais pas venir me salir parce que je ne clash pas les personnes. Je vais pas venir se laisser. Je dirais même pas que je ferai. Après, vous allez apprécier ça sur Facebook. Vous allez apprécier. On continue. La mère de ta fille sur Facebook que tu as soulevée devant, devant où c'est 800 personnes. Tu viens de dire devant 3000, 2500 ou c'est combien, 1000 quelque chose de personnes. Tu dis que sa maman assez les gens pour demander l'argent. Ya. Ya, ma faux. Ya, ma faux. Il y a les choses que toi-même, tu devais prendre ça, tu mets en bas de tes fesses, tu t'assois dessus. Et que plus tu sois sans demander à ta fille. Ya, ma faux. Donc moi-même qui t'a défendu là, tu as le fax de ma mère, tu m'as sorti parler. Ya, ma faux. Il y a les limites dans ce qu'on fait. Il y a les limites dans ce qu'on fait. Si et seulement si tu sais ce que tu fais. Si et seulement si. Admis, s'il te plaît, les commentaires bizarres là, tu supprimes. Je ne veux pas m'occuper des commentaires. Si et seulement si. Tu sais ce que tu fais. Dans le cas contraire, tu as tort, Fleur de Lille. Tu as eu tort de venir exposer cette maman. Tu as eu tort. C'est un peu mieux que tu laisses chez Maman Dorcas. Parce que Maman Dorcas a 500 vues. Quand elle a trop fait, 600 vues. Mais toi, tu es suivi par le monde entier. C'est sur la même chaîne de télévision, sur ta même chaîne de télévision, que tu as soulevé cette fille. Que tu nous as soulevé là-bas. C'est sur la même chaîne de télévision que tu viens descendre ta propre fille. Les têtes de mort seront bloquées. Je ne clash pas Fleur de Lille, je lui dis sa vérité. Je lui dis sa vérité sans clasher, sans l'appeler par quoi que ce soit. Mafo, tu as tort. Tu as tort. Quelles qu'en soient les raisons que tu as dans ton ventre, tu n'avais pas le droit d'allumer ta caméra. Quelles qu'en soient les raisons que tu as dans ton ventre. Ta fille au Cameroun insulte, quelles que soient les raisons que tu as dans ton ventre. Quand on dit à quelqu'un, ça veut dire que tu as le taux, tu as le mauvais truc dans le ventre. Est-ce que moi, tu as insulté comme ça? On continue. Et j'étais la maman de Nicolas la Védique populaire. Qui te donne ce droit? Chez nous, les bantous, toutes les mamans ont raison. Même quand elles ont tort, on fait comme ça. Ou bien on fait. C'est comme ça. C'est comme ça, en fait. Ou bien tu fais dans tu baisses la tête, tu fais à la merci. Tu ne peux pas parler à haute voix. Devant 1500, 2000 personnes, Fleur de Lille. Qu'une maman dérange. Are you understand you? Tu dis qu'une maman dérange. Elle appelle les gens, c'est embêtant. Une maman qui a porté 9 mois. Si tu ne veux pas qu'elle t'embête, tu n'as qu'à bloquer, putain. Tu bloques Fleur de Lille. Si tu ne veux pas qu'elle t'embête, elle t'envoie deux voices, tu bloques. Le troisième ne va pas arriver. Hello? Le troisième n'arrive pas. Et là, tu ne seras pas dérangé. C'est à vous qui avez pris les caméras pour venir ici parler devant sa mère. Que non, on va l'aider. Pas toi, ma faute. Pour l'autre là, il ne t'accuse pas. Pour l'autre là, tu n'étais pas dedans depuis le départ. Là où je te condamne, Fleur de Lille, c'est que tu es sorti exposer la maman de Nicole. C'est mieux, c'était mieux que tu laisses à Maman Dorcas. Maman Dorcas a 500 vues. Elle n'a pas 1500, elle n'a pas 2000, elle n'a pas 3000 vues. Ma sister Tatiana, framponnez-moi les gens qui se perdent ici en commentaire.
Ma choco zout. Écrasez-moi les gens qui se perdent en commentaire. Pompez les cœurs. Je dis la vérité. Et après les têtes de mort bloquées, bannies, vous ne me servez à rien. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est ta fille. Que tu l'as adoptée. Elle passe son temps à te défendre. Tu as son socor. Tu dis à tout le monde, laissez, c'est moi qui sors. Non. Non, Fleur de Lille. Hey, tu t'assois dessus. Hé, hey, Nicole. Tu appelles même ceux qui veulent sortir, tu dis que ouais. Tata Lolo a fait ça pour Étoile Cribienne. Tu voulais sortir sur Étoile Cribienne. Tata Lolo est venu te dire, ta soeur, ta yam. Les deux. Maman, les deux là me dépassent. Ta yam soeur. Elle t'a appelé, elle a dit que ne sois pas sur elle. C'est ma petite. Ne sois pas sur elle, c'est ma petite. Tu n'es pas sorti. C'est comme ça qu'on couvre les gens. Ce n'est pas en appuyant les gens que tu restes. Tu resteras là-bas. Chaque chose a sa fin. Quand tu le veux ou pas, que ça soit traumatisant ou pas, si ça va voler, ça va voler. Ça ne sert à rien d'écraser les gens. Parce que moi d'abord, on ne m'écrase pas. Je ne serai jamais dans la perdition. Je ne vais jamais me perdre dans ma vie. Chez moi, il y a pas le Alléluia, Amen. Tu as raison et te défends. Tu as tort, je te dis, tu as tort. Ça ne chauffe pas et ça ne boue pas. Personne ne mange. Et même si vous mangez, les gens, il y a le karma. Chacun va lire comme Nicole Ketcha et Dolo Moulin, mais en train de lire. Après avoir vilipendé un pasteur, se moquer d'un pasteur devant 1500 personnes. Parce qu'il y avait Alléluia, Amen devant eux. Le karma de ça. Le ridicule de ça. On parle comme ça, même Flore, même avant de sortir, suppose ton karma. Quand elle te disait que ne va pas à l'extrême. On te dit que la lionne est jalouse. Moi, je suis jalouse de toi. Quand tu me scares, c'est toi qui es venu. Si on dit jalousie, c'est toi qui as volé mes publicités. Je t'ai laissé avec. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je travaille. Aujourd'hui, tu pleurniches. Une femme sort, elle finit pas de ta maman. Tu sors, tu dis Alléluia, Amen. Que Fleur de Lille, merci beaucoup. Coucou, papy de Longchamp, ma personne personnelle. Tu sors, tu dis Alléluia, Amen. Tu crois que tu es Fleur de Lille plus que qui, Nicole? Tu es Fleur de Lille plus que qui? Elle sort sur ta maman, tu sors, tu lui dis cache. Quelqu'un essaye, tu ne vois pas la baisse en mémoire. J'ai écrasé la baisse en main. La baisse en main pleure tous les jours, mon nom. Il expose ma fille et ma mère tous les jours. Mais quand elle sort sur la lune, il n'en dit dort pas. Et quand elle va à l'extrême, je récupère sa tante. Ça ne boue pas avec moi. Tu t'attaques à ma famille, je pleure, je te récupère à l'extrême. Quelqu'un sort sur ta mère. Ketcha. Tu te mets, tu dis que, oh, merci, maman, maman, faux, maman, pépé. C'est la peine perdue. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je te viens juste te mettre à genoux. Appeler les faux profits que Seigneur. Merci, vous êtes tout pour moi. Alléluia. Papy de l'argent dit que c'est les mêmes gens que les slimes, c'est que toi. Tu te mets à genoux, tu dis Alléluia aux faux profits, les fantômes. Il y a les faux profits ici, que ce ne sont pas les êtres humains. Il y a les faux profits, que ce ne sont pas les êtres humains. Tu dois sortir, tu défends ta mère. Hé, hey, hello, Ketcha. Même si ta mère a tué quelqu'un, écoute-moi très bien. Même si ta mère a tué quelqu'un, personne n'a le droit de sortir, dénoncer ta mère. J'ai dit, hey, tu as compris avec quoi? Même si ta mère a killé quelqu'un, tu pousses ta mère, tu mets de côté. Même si ta mère quoi? Ta malédiction vient de chez ta maman. Ta bénédiction vient de chez ta maman. Tu n'as pas à glorifier les inconnus qui ne t'aiment même pas, qui ne te considèrent pas. Fleur de Lille a dit qu'une place avec ses abeilles et ça ne boue pas. Tu vois quand tu chauffes, tu pleures là. Tu vois les abeilles, te disent comment répondre. Hein? Tu vois les abeilles dire comment répondre? Jamais. Jamais. Elles sont en train d'attendre que tu tutupes. Essaye de parler comme moi. Que tu tutupes. On saute ta page. Et je te dis dès ce soir, dégage-les de ta page. Enlève-les de ta page.
face, je t'attends face to face, et ça ne choque pas. Personne ne me nourrit sur les réseaux sociaux. Personne. Les personnes qui m'aident ne sont pas sur les réseaux sociaux. Pour que quelqu'un vienne vilipender ma mère, devant 1500, 2000, je ne sais pas trop de personnes. Et puis tu dis Alléluia, Amen. Niko Ketcha, donc ta mère qui t'a mise au monde n'a pas de valeur. Quelqu'un dit que tu aimes bien Niko, ce n'est pas parce que je l'aime qu'elle lui dit ça. Quand quelqu'un est dans la perdition, on ne lui dit pas. Je n'ai pas défendu Flo ici. Je n'ai pas défendu Tata Lolo ici. Je n'ai pas défendu qui ici. Quand tu as tort, il te dit que tu as tort. Elle est bloquée. Ça ne chauffe pas. Bloquée. Merci. Après, on va débloquer ceux qui sont moyens. Blocage activé. Ça ne chauffe pas. Quelqu'un tutube, il va regarder le direct derrière l'écran. Ketcha, c'est la jambe de quoi que tu supplies jusqu'à ce que tu livres ta mère à la verdict populaire. C'est la jambe de quoi? Ta mère qui t'a mise au monde. Quelqu'un fait la publicité sur ma page, tu as payé. On paye pour faire la publicité sur la page de la Lyon. C'est comme ça. Je ne suis pas ici là, il ne fait pas le Alléluia, Amen pour manger. Hein. Je travaille la sueur de mon front. Avant de manger, je ne vais même pas à genoux devant les fantômes. Oh merci, vous êtes tout pour moi. Ils sont tout pour toi, celle qui t'a porté 9 mois. Tu partages les publications, quand tu dis que ta mère c'est ci, ta mère c'est là, je n'ose pas répéter.